Bonjour, alors aujourd'hui c'est un jeu électronique Pac-Man Coleco. Bon, c'est le grand classique celui-là, donc il est en bon état, il y a ses autocollants d'origine, donc comme on peut le voir, il est pas mal, un peu taché au niveau au niveau du dessus, là, au niveau du blanc qui est un petit peu devenu blanc, jaune, gris. Je ferai des photos pour qu'on voit le plus possible. J'ai passé un petit coup de chiffon dessus, il reste encore un peu de poussière. Enfin, il est quand même en bon, voire très bon état. On voit un petit peu des traces là, au niveau de l'autocollant. Enfin, il a son âge, hein. Ça doit avoir une bonne vingtaine d'années ce truc-là. Donc voilà. Voilà. Il y a le cache-pile. J'ai mis 4 piles à l'intérieur. Il faut des grosses piles. Voilà. Donc je le mets en route. Donc on le met en route comme ça. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Il s'est allumé. Donc après on choisit le jeu. Il y a plusieurs types de jeux. Il y a la notice à l'intérieur. Hein. Donc, vous avez la notice qui est ici. Donc vous avez la notice. Je crois qu'elle est en français aussi. Là il y a l'anglais. Et ouais, d'un côté c'est anglais et de l'autre côté c'est en français. Voilà. Donc on peut choisir. Donc on va mettre le jeu à deux. Comme ça, vous allez pouvoir voir que les pads fonctionnent des deux côtés. Donc là je prends le petit Pac-Man qui est à gauche. Voilà, il descend, il va à droite, on va le faire monter, voilà, il fonctionne sur ce pad-là. L'autre, on le fait aller à gauche, on va le faire monter, voilà, on prend le passage, monter, on va prendre la petite vitamine. Voilà, j'en ai bouffé un. Voilà, donc vous avez le jeu. Ah là, je crois qu'on le voit mieux là quand même, voilà, le Pac-Man. Vous avez la notice qui est en état moyen, on va dire, avec une espèce de flyer pub pour les autres jeux. À l'époque, il y avait Pac-Man. Bon, attends, voilà, arrête. Fais un peu moins de bruit, s'il te plaît. On va le mettre en mode démo. Mode démo, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, toujours autant de bruit. Voilà, on va mettre comme ça. Donc, vous avez la notice avec. Voilà, qui est en état moyen, on va dire. Voilà. Vous avez l'espèce de pub flyer et vous avez, il y avait l'autocollant là pour les piles, je laisserai avec, et vous avez la boîte qui est en état moyen, on va dire, et une sorte d'autocollant, je sais pas ce que c'est ça, je le prends, je sais pas ce que c'est ça, voilà, il y a un autocollant avec des chiffres allant de 1 à 8, voilà. Donc je vais faire des photos pour que vous voyez l'état général de la boîte. J'ai juste passé un petit coup de chiffon, il faut que je le refasse là, parce que le devant je l'ai pas fait. La boîte est fatiguée. Ça, c'est. On est dans le domaine du constat. Elle est fatiguée, mais enfin, elle est complète. Et bon, voilà. Disons qu'elle n'est pas en mauvais état. Bon, je vais faire les photos. Bonnes enchères et merci.